Bonjour les cancers, le temps fort de la semaine a lieu entre mardi soir et mercredi. La Lune, votre astre fétiche, mettra au diapason de Vénus. Attendez-vous à vivre une soirée d'exception en famille ou avec l'élu de votre cœur. Une bonne nouvelle est susceptible de vous regaillardir après des moments assez houleux vécus dernièrement. Vous vous sentirez apaisée et sereine, surtout si vous êtes née vers le 13 juillet. Rien de très excitant à l'horizon, pas de nouvelles perspectives a priori pour le moment, sauf si votre thème personnel dit le contraire. En revanche, si vous êtes des alentours de la mi-juillet, vous pourrez signer un contrat ou augmenter votre chiffre d'affaires d'ici mercredi si vous êtes freelance. La planète de l'amour se promène dans votre secteur et provoque pour certaines des envies de fiançailles ou de mariage. Pour celles qui sont libres, le temps est venu de se caser, une rencontre est dans l'air en milieu de semaine ou alors ce week-end. Une semaine placée sous le signe de la tranquillité, rien ne devrait nuire à votre santé ou à votre forme. Éventuellement, vous pourriez ressentir une légère baisse de régime vendredi. Économisez par conséquent vos forces dès le début de la semaine. Les signes top sont les vierges et les scorpions, les signes flop, les balances, c'est tout. Passez une excellente semaine. Si vous désirez une consultation en privé avec Patricia Lasserre ou un membre de son équipe, rendez-vous sur son site internet voyance-équitable.com.